Alors, salut à toi, et dans cette petite session, je voudrais te parler du moment présent. Et pourquoi? Eh bien, le fait d'être dans le moment présent, ça te permet de grandir, de te grandir et de ne pas utiliser de l'énergie pour de l'inquiétude qui, de toute manière, ne sert à rien. Quand tu es dans le moment présent, ce n'est pas, il y a beaucoup de personnes qui se disent, d'accord, dans le moment présent c'est bien, mais comment je peux éviter des choses, des catastrophes qui pourraient se passer dans le futur? Eh bien, nul ne sait ce qui va se passer dans le futur, nul ne sait même ce qui va se passer demain. Demain, il pourrait, par exemple, avoir, je sais pas, une guerre, un virus, une crise économique, une bombe. Nul ne sait ce qui va arriver demain. L'inquiétude ne résout rien. S'inquiéter, c'est bien connu, et eh bien, ça va rien résoudre à part t'ajouter de l'énergie négative. Par contre, toi, ce que tu pourrais faire, c'est ici de simplement visualiser ce que tu veux être dans le futur et puis aller à rebours, c'est-à-dire aller progressivement en visualisant les étapes progressivement de là, de ta vie rêvée jusqu'à maintenant. Tu vas un peu faire comme un rewind, donc tu vas essayer de te projeter, tu vas dire ok, maintenant je me projette, comment est ma vie rêvée? Tu visualises vraiment ta vie rêvée et puis tu essaies d'aller à rebours. Tu essaies de visualiser toutes les étapes qui te demandent, qui pourraient te demander de faire pour avoir cette vie jusqu'à maintenant. Et là, tu te dis, d'accord, qu'est-ce que je peux faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans interruption? Je vais vraiment être cohérent et consistant avec moi-même. Je vais tous les jours passer une heure et demie, 2 heures à faire quelque chose qui va bâtir justement mon futur. Je ne vais pas m'inquiéter du futur, mais je vais, eh bien, faire quelque chose, je vais pratiquer quelque chose qui va me permettre de bâtir mon futur, qui va me permettre de tracer le chemin vers ma vie idéale. Et tous les jours, eh bien, je vais mettre une brique à l'édifice. Tous les jours, je vais faire quelque chose qui va me permettre de ressortir, de me sortir grandi et qui va me permettre de tendre vers la vie rêvée que je pourrais avoir. Nul ne sait si demain il y aura une crise économique. Nul ne sait, voilà, il y a des personnes qui ont peur parce qu'elles se disent, ah, peut-être que dans 3 ans, j'aurai plus d'argent, je m'inquiète de mon futur, etc. Mais si tous les jours, eh bien, cette personne-là essaie de trouver des moyens d'économiser, d'investir ou de générer de l'argent ou d'avoir un side business, et tous les jours, cette personne, eh bien, passe 1 heure, 2 heures, 3 heures de son temps, tous les jours, non-stop, à faire quelque chose, tu ne t'inquiètes plus de ton futur, tu es vraiment dans le moment présent, mais tu vas vraiment bâtir quelque chose en construisant quelque chose tous les jours. Eh bien, tous les jours, tu fais une chose qui va te permettre de te préparer plus ou moins pour le futur sans t'inquiéter dans le futur. Donc, tu vas finalement mettre de l'énergie positive parce qu'à la fin de la journée, qu'on fait quelque chose qui nous valorise, eh bien, on se sent bien. On ne s'inquiète pas et l'inquiétude, de toute façon, ne sert à rien. Ici, justement, on agit dans les choses où on a le contrôle. On agit dans notre vie parce que dans notre vie, c'est là où on a vraiment le contrôle. Et ainsi, ça va vraiment nous permettre d'avancer et de bâtir quelque chose de concret, de bâtir quelque chose de solide. Et ça va vraiment être notre empire, notre armure pour nous préparer durablement. Et essaie aussi de le faire le matin, si possible. La première chose le matin, parce que le soir, c'est bien connu, eh bien, il y aura plein d'autres choses que tu devras faire. Il y a toujours des imprévus dans nos journées. Et puis après, tu n'auras plus le temps, tu vas procrastiner, tu ne vas jamais le faire. Et c'est vraiment bien de jamais avoir d'interruption, de toujours le faire non-stop. Mettons le matin, quand tu te réveilles, tu prends ta douche le matin pour avoir un bon mindset, tu prends directement ta douche, tu ne réfléchis même pas, c'est une habitude ancrée dans ta routine. Le brossage de dents, c'est pareil. Et toi, tu vas essayer de faire la même chose pour cette habitude-là. Eh bien, c'est ta vie. Tu te dis, d'accord, aujourd'hui, tous les matins, peu importe ce qu'il m'arrive, pendant ne fût-ce qu'une demi-heure, eh bien, je fais quelque chose qui contribue
au grandissement de ma vie, au grandissement ou à la construction de ma vie. Tous les jours, peu importe ce que peu importe ce qui m'arrive, eh bien, je vais faire cela. Le matin, le plus tôt, le mieux c'est, tu vas faire cette chose-là qui va te permettre de savoir que voilà, même si le soir il se passe une catastrophe, etc., au moins tu auras fait la chose la plus importante de ta journée, c'est la construction de ta vie. Et ça, finalement, c'est à chaque fois une brique, une brique, une brique. Et cela va vraiment te permettre de bâtir ta vie, de bâtir, eh bien, ton futur. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider. Applique-le dès aujourd'hui. N'attends pas demain pour faire ce que tu veux finalement faire aujourd'hui. Il ne faut jamais reporter à plus tard ce que l'on veut faire aujourd'hui. Allez, à très bientôt sur ce. Ciao.